Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode du Vlogtober, j'ai décidé de faire un peu le ménage de ma chambre parce qu'aujourd'hui, là, j'ai le goût de faire du ménage. J'aime des fois, j'ai le goût de m'organiser plus pis tout. À la base, je suis quelqu'un d'assez organisé qui a toujours sa chambre propre, mais là, on dirait que même si elle est organisée et propre, je la trouve désorganisée présentement. Donc, je vais faire ça puis je vais vous montrer un peu. J'avais vraiment fait des vidéos comme ça sur ma chaîne où je vous montre quand j'organise ma chambre. Pourtant, je le fais tellement souvent que je suis vraiment accro à l'organisation et au ménage. Donc, c'est ça. Je vais faire le ménage de ma chambre et c'est ça, je vais vous montrer. Donc, pour commencer, j'aimerais commencer par cette section-là de ma chambre, je vais vous montrer. Donc, j'aimerais commencer par cette section-là. On voit pas vraiment très bien. Là, je suis genre accroupie parce que sinon, on verra pas grand-chose. J'en ai un petit peu... Par terre, il y a comme plein de boîtes, puis c'est vraiment désorganisé, puis ça me gosse parce que ça prend comme une grosse partie de ma chambre, ça prend toute cette partie-là. Puis dans le fond, c'est comme des boîtes avec tous mes trucs pour mon appartement parce que je vais déménager cet été. Donc, c'est ça. Là, j'ai comme plein de trucs dans ma chambre, mais je vais les déménager dans le sous-sol, comme dans d'autres pièces de l'appartement. Ce qu'il y avait ici, c'est vraiment plus beau. Je vais pouvoir mettre mes trucs ici. Je vais mettre mon sac. C'est un sac que j'utilise le plus souvent. Puis ça, c'est juste un sac de déco. Là. C'est cute. Là, j'ai mon panier à linge. J'aime ça que ce soit comme juste dans un coin là, mais qu'on va pas trop bien. Je vais mettre ça ici pour le moment. Ça cache mon sac déco, mais c'est juste parce que c'est des sacs que j'utilise le plus souvent. Ouais, donc là c'est bon pour cette partie-là. Je vais organiser une autre partie de ma chambre. Je sais pas par commencer. Je vais commencer par ici. Je vais mettre dans un sac en poubelle comme ça, blanc, tout ce que je veux me débarrasser dans le fond. Pas nécessairement que je veux jeter, mais juste que comme je veux plus avoir dans ma chambre parce que ça me sert plus. J'utilise plus. Maintenant, ça c'était la section des sous-vêtements. Là, je vais faire mon deuxième tiroir. Ça, c'est les pyjamas. Mes pyjamas, le orc. J'ai tout le temps à mal organiser. Puis j'ai tellement trop de pyjamas pour tout ce que je porte. Je porte toujours les mêmes trucs. Donc, on va organiser ça. Ok! Next tiroir! Ça va bien. À date, j'ai juste comme organisé mes affaires. Je pense qu'il faudrait... Attends, je pense que j'ai pas bien organisé. Je vais arranger quelque chose. J'avais vu une technique à un moment donné. Puis, je pense c'est une technique qui consiste à prendre les shirts de pyjama. Regardez, je vais vous montrer par terre. Puis, vous prenez les shirts de pyjama comme ça. Puis là, vous prenez le top. Vous le pliez comme ça. En tout petit. Puis, vous le mettez au milieu. Shirt de pyjama. Puis là, vous pliez. Puis là, ça fait comme un genre de petite boule comme ça. Puis dans le fond, ça permet de comme... économiser de l'espace parce que là-dedans j'ai un pyjama complet. Comprenez? C'est comme le kit est dedans déjà. Fait que tu vas juste prendre la petite boule pis t'es comme ah, je vais le mettre en pitch. C'est pratique. Fait que si vous voulez essayer le truc, essayez-le. Ça a l'air bon! Je vais au cinéma ce soir avec Annick. C'est pour ça que j'écoute. J'écoutais la bande-annonce de la galerie des cœurs brisés, puis I think it would be good. Oh. Affaire, état du Missouri contre Chiefs. Ça t'intéresse-tu ou ça vous intéresse pas? Moi, je sais même pas si c'est intéressant, gang. Je vais juste filmer ce que je fais.
Bon là, parce qu'il y a l'affaire, c'est que j'ai trop de souliers, moi je trouve, pour ce que je porte. Ça, c'est mes souliers préférés, fait que c'est sûr que je les garde. Ceux-là aussi, je les aime vraiment beaucoup. Dans le fond, quand vous faites du ménage comme ça, là, un truc que je pourrais vous donner, c'est d'y aller avec ce que vous allez porter, ce que vous portez régulièrement. Tu sais, vous voyez, là, on s'en va vers l'automne. Bon, on est l'automne, en fait. Je regarde les vêtements que j'ai, les vêtements d'été, puis pour voir si je les ai portés cet été. Comme là, tu vois, c'est des souliers d'été, ceux-là. Ça, c'est mes talons hauts de mon bal, et je les aime tellement. Ça vous donne quelque chose de cute? On voit tellement pas, on voit juste ma face zoomée. Ça fait beau, je pense. Ouais, c'est bien cute. Bon, ok, ça fait un petit bout là, que je fais mon ménage. Je me suis changée en des vêtements plus confortables. C'est pas tant cute mon outfit là. Prenez pas attention à mon outfit. Donc là, je suis rendue à la fin de mon ménage. Dans le fond, c'est une bonne partie. J'ai libéré des tiroirs, fait que je vais pouvoir ranger d'autres trucs. Fait que c'est ça. Là, je veux juste comme continuer à faire des timelapses de moi qui range rapidement parce que là, faut finir. Dans le fond, je veux merge ces deux tiroirs-là ensemble parce que là, c'est juste comme deux tiroirs séparés. Fait que je vais les mettre ensemble pour encore avoir plus d'espace pour mettre d'autres trucs. C'est parti! Finalement, je les ai pas merge ensemble, mais j'ai mis comme un côté, c'est comme plus mes trucs genre de la routine, ce que je veux utiliser régulièrement, pis tout. Ce côté-là, c'est plus comme toutes mes cosmétiques que j'utilise pas nécessairement tous les jours, mais que j'utilise. C'est comme ça que j'ai organisé ça. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, laissez des thumbs up, puis on se voit demain pour un prochain épisode du Vlogtober! Yes! Et je t'invite à faire du ménage.